Le phénomène des fausses cartes de presse préoccupe la Commission nationale de délivrance de ce document destiné aux professionnels de l'information. Pour assainir le milieu et régler définitivement la question, la Commission des délivrances de la carte de presse, dirigée par Séverin Tchounke, envisage de mettre en place une base de données fiable des journalistes en règle et qui mérite d'être considérée comme telle. Le premier problème à résoudre est relatif à l'effectif des professionnels de la presse, difficile à déterminer. Pour cette base de données, le préalable, c'est que la Commission siège. À terme donc, nous allons sortir une liste que nous rendrons d'ailleurs publique, une liste à partir des différents dossiers que nous avons reçus à notre siège. Donc il sera question d'examiner au cours de la commission tous ces dossiers, de déterminer quels sont les dossiers éligibles à l'obtention de la carte. Et une fois que ce sera fait, il sera question de produire des cartes. Pour cela, ce que nous essayons de résoudre comme problème, c'est déjà pouvoir répondre à la question fondamentale. Combien sommes-nous au Cameroun qui méritons d'être appelés journalistes ou alors assimilés? Pour le syndicat national des journalistes du Cameroun, les politiques sont certes louables, mais le principal problème qui mérite une attention particulière est la mise en application de la convention collective. Cette commission a pris le combat du mauvais côté, comme on l'a toujours décrit au SNJC. Le bon côté serait aujourd'hui obliger les entreprises de presse à appliquer les conventions collectives dans le domaine des médias. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donner mandat à la CNPS de sévir, voire de sceller les comptes bancaires de ces entreprises qui ne veulent pas signer les contrats à leurs employés. Mettre en application la convention collective, c'est une option très louable et à laquelle nous aimerions tous aboutir. Mais il faut rappeler que ce n'est pas le rôle de la commission. Au Cameroun, la commission de délivrance de la carte de presse a été créée par un décret du Premier ministre en 2002. Elle a entre autres missions d'assainir le milieu de la presse. La carte délivrée pour une période de 2 ans renouvelable devrait faciliter l'exercice de la fonction du journaliste et de ses auxiliaires.